Así que un pudding. On dirait un gentil. Nique-nique, miam-miam. Une sorte de dragon. Où est un seul Irma Bisou? Va-t-il bloquer ton lit? Nique-nique, c'est peut-être la bonne. Vous êtes Marianne, vous ne parlez pas notre langue. Maison. Ah oui, une maison, elle a une sacrée conversation, Marianne. Amour. Quoi? Amour. Ah, c'est pas Marianne. Je t'aime. Ah bah oui, mais pas moi. Si. Ah non, je suis trop petite pour être grande, je vais dire des mots d'amour à un fiançailleur. Il dit offrir téléphone pour la maison avec écran plasma fonctionne avec le F25 mais l'autonomie. Je ne sais même pas si je la reverrai un jour, ma maison. Il dit à la rage. Il dit rentrer chez lui. Il dit détruire planète. Oh non, faut pas. Trop tard. Guerre pas voulu, planète fichue. Il dit s'en va comme il est venu. Thank you.
Qui es-tu? Je ne suis plus celle que j'étais. Rizaline, morion, qu'est-ce que j'en sais? Qui es-tu? Dites-moi d'abord qui vous êtes. Quel genre de bête, casse-t-il de solution? Mais pourquoi donc? Si vous rechaigniez à me dire pourquoi, petit versisseur de soie, vous me pompez l'air, je vous salue bien là. Ne te mets jamais en colère. J'ai mon petit caractère, ne me la fais pas à moi. Si vous voulez vous taire, très peu pour moi. J'aime fumer le narguilé. Fallait me rencrasser. Où donc, mon carnet? J'en peux plus ravaler. Mange du champignon. Mords d'un côté et tu iras vers l'eau. Et mords de l'autre et tu te tasseras sur tes os. Mange du champignon. Un champignon n'a pas de côté. On ne saurait toutes plus par l'arcade pour le ramasser. Mange du champignon. Mords d'un côté et tu te prendras pour les rondelles. Mais mords de l'autre et on te le mettra dans le vermicelle. Mange du champignon. Un champignon n'a pas de côté. J'ai fait des études, hein, faut pas pousser. Mange du champignon. Mords d'un côté et tu seras la girafe. Et mords de l'autre et tu te changeras en agrafe. Mange du champignon. Ça rend mal. Alors à table. Mais va savoir lequel est bon à pousser au plafond. Lequel est bon à me faire grand comme un talon. Il ne reste plus qu'à manger un peu d'ici et un peu là. Thank you.
Monsieur, le chat du comté de Cheshire qu'on a pas fouetté alors qu'il sourit. Pouvez-vous me dire par où je m'en vais? Tu n'as qu'à t'en aller par là où tu dois aller. Mais je m'en fiche d'où je vais, du moment que je m'en vais. Alors, prends n'importe quelle route. Mais du moment que j'arrive quelque part. Si tu marches assez longtemps, tu finis toujours par arriver à temps. Quelle espèce de gens trouve-t-on dans les parages? Par ici habite un chapelier. Par là, un lièvre de Mars. Ils sont fous tous les deux. Mais je ne veux pas aller chez les fous. Tu ne peux pas faire autrement. Nous sommes tous fous ici. Je suis fou, tu es folle. Et qu'est-ce que vous en savez? Tu ne serais pas venu ici, sinon. Tu es de la partie du croquet de la reine cet après-midi? J'ai pas l'invite. On se voit là-bas. Thank you.
la barre de t'asseoir, ça s'y sera vite. Tu aurais fait besoin d'une petite coupe de cheveux. De quoi je m'en mêle? Pourquoi est-ce qu'un corbeau ressemble à un bureau? J'adore les toilettes. Pourquoi est-ce qu'un corbeau ressemble à un bureau? Tu penses pouvoir trouver la réponse? Fastoche! Dans ce cas, tu devrais dire ce que tu penses. Mais c'est ce que je fais. Enfin, je pense que je dis. C'est pas pareil. Pour toi, dire je vois ce que je mange, est-ce la même chose que je mange ce que je vois? J'ai ce que j'aime et j'aime ce que j'ai. Je respire quand je dors et je dors quand je respire. Pour toi, ça c'est la même chose. Nous sommes quel jour du mois? Le 4. Elle retarde de 2 jours. Je t'avais dit le beurre, pas tant pour le mécanisme. Ça, mais quelle drôle de montre. Elle a dit le jour du mois, mais pas l'heure du jour. Pourquoi faire? Ta montre à toi dicte-t-elle l'année où elle est? Bien sûr que non. La mienne non plus. Joyeux anniversaire! Le noir s'est endormi. Bien sûr, j'allais le dire. On perd son temps ici. Si tu connaissais le temps aussi bien que moi, tu n'en parlerais pas comme une chose qu'on perd. Le temps est une personne. Et je suis qu'une gosse, alors faut pas pousser. Tu n'as jamais parlé de temps. Non, mais je le prends comme il vient. Le temps ne supporte pas d'être pris par qui que ce soit. Et souvent, quand on le prend, il ne vient pas. D'ailleurs, je me suis disputée avec lui en mars dernier. Il est toujours 6 heures après. Et c'est toujours l'heure du thé. Il approche jamais le temps de faire la vaisselle. Vous faites le tour de la table sans arrêt. On salit les tasses, alors on bouge. Et quand on est au premier tasse, le loin. Joyeux anniversaire! Le loin on va nous raconter une histoire. Je ne dormais pas. Mais raconte-nous une histoire. Oh oui! Il était une fois 3 petites sœurs qui vivaient au fond d'un puits. Qu'est-ce qu'elles mangeaient? Du sirop. Pas possible, tu bois du sirop, tu tombes malade. Elles étaient malades. Pourquoi vivre au fond d'un puits? Parce que c'était un puits de sirop pour plateau. Ça n'existe pas! Je veux une tasse propre! On a 25 ans! Elle se mariait et beaucoup d'enfants. Est-ce qu'il est mort? Il dort. Toujours la même chose. Tais-toi! Mais j'ai rien dit! C'est pire. Joyeux anniversaire! 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 Oh, tu n'as pas pris, Méline! Thank you.
Thank you.
sont ces trois-là? Avec plaisir. J'en sais rien, moi, et puis c'est pas mes oignons. Qu'on lui coupe la tête, n'importe quoi! Cher ami, vous n'y pensez pas, c'est une ombre, une gamine. Que dis-je? Une gosse. Mais oui, c'est ça. C'est exactement ça. Qu'on les retourne. Par ici! Qu'étiez-vous en train de faire? On essayait de... un tout petit peu... un poirier. Qu'on leur coupe la tête! Je veux pas qu'on les touche! Elle est catégorique. Elle est directe. Elle est très bien. Elle a tué tout un jeu de cartes, vous savez. Un massacre! Du trèfle piétiné, des piques qui ne piquent plus du tout, des carreaux cassés, des cœurs brisés. Je veux pas qu'on les touche, qu'on leur coupe la tête.